Oui, donc on arrive au bout de notre rétrospective de Art of Pressing. Et c'est vrai qu'on est encore tout ému et tout secoué du fait que ça a vraiment eu une audience, des répercussions médiatiques, visible intérêt même au niveau institutionnel de partout. Donc je pense qu'on a vraiment marqué le coup par rapport au fait dont j'ai souvent parlé, que je me sentais très frustrée quand je venais à la Cinémathèque et que je voyais des films qui me semblaient souvent en dessous de ce qu'on pouvait espérer maintenant pour pouvoir documenter la relation belgo-congolaise. Et que là, bon, évidemment, c'est pas une rétrospective exhaustive, hein, je vais surtout pas dire ça, c'est faux. Il y a encore des tas d'autres films hyper intéressants qu'il faudrait voir, mais je crois que là, on a vraiment marqué le coup en les mettant tous ensemble et en montrant qu'il y a réellement, en dehors de Thierry Michel, en dehors de Marc-Henri Weinberg, en dehors des grands reportages qu'on a l'habitude de voir sur le Congo, qu'il y a des films qui travaillent l'aspect fictionnel, qui travaillent l'aspect émotionnel, qui travaillent l'aspect tout simplement l'humanité de tous ces personnages et cette histoire belgo-congolaise. Alors si j'ai voulu finir effectivement par un dernier débat qui s'intitule « Le regard afro-féminin », c'est comme le disait Christophe, je suis moi-même femme et après 30 ans de métier, j'ai eu plus qu'à mon tour senti le besoin de parler de cette situation d'être femme et noire dans le cinéma, dans un pays anciennement, enfin on dit anciennement, c'est bien sûr entre griffes, colonial comme la Belgique. Et donc, il y a de plus en plus de femmes aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de frustration parce que j'ai pas pu programmer le film Makila de Ma chérie et quoi, qui est le premier long métrage de femmes d'une réalisatrice, enfin d'un premier long métrage d'une réalisatrice congolaise qui a fait, on va dire, impression puisqu'elle a été sélectionnée au festival de Berlin. J'ai pas pu le sélectionner malheureusement parce que il était distribué par un distributeur français qui m'a demandé des sommes que je pouvais pas me permettre malheureusement. Il faut savoir aussi que si cette programmation a pu se faire, c'est qu'il y a pas mal des films qu'on a pu voir qui sont déjà à la Cinémathèque, qui font partie du catalogue de la Cinémathèque, et donc pour laquelle, effectivement, il n'y avait pas de nécessité de payer. Donc ce qui m'a permis donc d'aller chercher d'autres films qu'on voyait pas et qui n'étaient pas dans le catalogue de la Cinémathèque, avec l'argent assez modique, on va dire, que j'avais. Mais c'était hors de mes moyens de pouvoir obtenir Makila, malheureusement. Et il y a un autre film qui, lui, c'est pas que j'ai pas pu l'avoir, c'est qu'il est pas fini. C'est un film très important, je pense, et si jamais il sort, je crois que vous devez vraiment dresser l'oreille. C'est le film sur les LGBT congolais, qui est en préparation déjà depuis un certain temps, par Joël Sambi, qui est à la fois une slameuse et une écrivaine très importante de notre communauté. Donc, voilà, j'aurais été bien heureuse de vous montrer ce film en avant-première. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, je me suis dit, voilà, on va rassembler des courts-métrages existants qui sont là, qui sont pas, qui certains sont tout récents, d'autres datent, et essayer justement de débattre entre nous de cette problématique du regard afro-féminin, puisqu'on a beaucoup parlé du female gaze récemment, donc le regard des femmes dans le cinéma. Et c'est clair que le female gaze peut aussi être renforcé par l'aspect afro-féminin. Donc voilà, c'est ce dont on va discuter après ces quatre films qui, tous ensemble, font plus ou moins 1h10. Voilà, donc après, on a quand même du temps pour un débat de 3/4 d'heure. Hein. Voilà. Merci et à bientôt. Maintenant, ça va. Aux deux personnes avec qui je vais animer ce débat. Donc, Mwaladja, qui est la productrice, Mwaludja, qui est la productrice de Girl Fact, donc le film que vous avez vu juste avant celui-ci, et Atandele, qui est réalisatrice et coproductrice du film Atandele.
Malkia, voilà, j'étais mal présentée. Malkia Moutiri, donc, qui est la réalisatrice et la coproductrice du film Atandele, qui était le deuxième film qui est passé. Donc, en ce qui concerne le dernier film qu'on vient de voir, c'est un film qui a été produit au Congo par la directrice du festival de films de femmes qui s'appelle Le Cinef, donc elle n'est pas parmi nous. Et le premier film, Lula, de Ladi Badinga, bon, malheureusement, elle s'est un peu détournée du métier du film, ce qui est dommage, mais compréhensible quand je pense à tout ce que nous allons raconter sur les difficultés de ce métier. Mais malgré tout, elle a fait un film que je tenais à ce qu'on voit parce que je le trouve toujours assez touchant, cette histoire de duo, de mère et de fille qui ont des difficultés à se comprendre, à s'entendre et à voir la vie de la même manière. Voilà. Mais on va s'asseoir donc par rapport à tous. Qu'il a fouloir. Ce que j'aimerais commencer par vous demander à toutes les deux, c'est est-ce que pour vous ça a toujours été quelque chose, on va dire dès l'enfance ou dès la prise de conscience de ce que vous vouliez être dans la vie, est-ce que ce métier de cinéma est quelque chose qui a toujours été envisagé à votre niveau, à toi d'abord, Malkia. Bonsoir à tout le monde. Pour moi, j'ai commencé d'abord par le dessin et puis plus tard par la photographie. Et c'est quand j'ai fini la photographie en dernière année, on avait une formation Final Cut que j'ai vraiment encore plus accroché à la vidéo, la réalisation et surtout au montage. Et c'est comme ça que je me suis dirigée dans cette direction. Mais j'ai toujours beaucoup aimé, évidemment, le dessin, les mangas, les films, les séries, tout ça. Mais pas forcément en pensant que j'allais le faire. Et donc, qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as fait du film ? Je crois que c'est la photographie qui m'a donné beaucoup envie de travailler l'image et surtout créer et dire des choses à travers l'image. Et pendant longtemps, la photographie, c'était assez. Et puis, à un moment donné, je trouvais que le processus de montage ressemblait beaucoup au processus de chambre noire, comme dans la photographie. Et ça m'a accroché. Ouais. Je me tourne maintenant vers Moualatia. Moualoudia, décidément. Moualoudia. Mais depuis tout le temps que je t'appelle comme ça, tu ne me corrigeais pas. Moualoudia. Et donc, toi, c'est encore un parcours encore plus particulier, puisque à la base, tu ne travailles pas du tout dans le cinéma. Non, pas. Moi, j'y suis venue vraiment par hasard, parce que, en fait, j'ai une association qui parle un peu de ce qui se passe à l'est du Congo. Et chaque année, on faisait un événement pour la journée de la femme, le 8 mars, en général en extérieur et toujours avec des artistes, parce que je pense que la culture et l'art parvient toujours à mettre en lumière des choses importantes et des choses dont parfois on n'ose plus parler à la télévision parce que voilà, c'est répétitif. Et il y a un moment où il y a, voilà, comme la guerre en Ukraine maintenant, bon, il y a des effets comme ça de mode, entre guillemets, sur l'actualité. Et à un moment donné, ça disparaît d'ailleurs. Voilà, exactement. Mmh. Et donc, j'ai pris connaissance de ce qui se passait à l'est du Congo vers 2012, quand il y avait beaucoup de manifestations à Bruxelles. Et donc, suite à ça, je me suis lancée dans voilà, le besoin de faire comprendre, enfin de faire le pont entre... J'avais l'impression que quand il y avait les manifestations, les gens ne mesuraient pas la situation à l'est du Congo. Qu'en fait, j'entendais parfois des gens dans le métro, ça m'avait choqué, c'était en décembre, les gens faisaient leurs courses pour les fêtes de Noël, et il y avait les manifestations à la même période, et deux femmes en face de moi m'avaient, enfin, disaient, parlaient entre elles, et disaient, mais c'est quoi encore ces manifestations? Et là, j'ai compris qu'en fait, il y avait un point à faire dans le sens où... culturellement, je voyais bien que pendant les manifestations, les gens chantaient, des gens parfois me disaient « Ah, mes collègues de bureau, ça leur arrivait quand le cortège passait au niveau du boulevard général, du boulevard Rogier, de dire « Ah, c'est carnaval, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, j'ai compris qu'il y avait vraiment un décalage complet entre ce que les Congolais voulaient manifester en marchant
et comment c'était perçu par les Belges qui passaient et qui croyaient que c'était surtout qu'en général ils chantaient en lingala, etc. Et puis aussi il y avait Mais je t'interromps justement. Oui, là, je me dis justement, il y a eu un travail au niveau de l'écriture, d'ailleurs dans vos deux films, hein, un travail d'écriture, un travail de recherche même, tout bonnement. Je veux dire, ton film, il se donne pas facilement. C'est un film à décrypter, c'est un film à investiguer quelque part. Hein. Chaque fois que je regarde ce film, je me dis, mon Dieu, il y a quand même un niveau d'intellectualisme dedans qu'on ne voit pas partout. Et bon, quelque part, qui est intéressant, parce que du coup, ça fait travailler... au niveau du spectateur, parce qu'on est obligé de se dire, elle a voulu dire quelque chose de cette manière-là, et pourquoi elle a utilisé cette manière-là. Donc c'est un peu la question que je vais vous poser à toutes les deux, c'est comment vous avez conçu l'écriture de vos films respectifs, et pourquoi de cette manière-là, parce que bon, c'est évidemment une histoire qu'on pouvait raconter de mille façons différentes. Est-ce que c'est quelque chose qui te correspond à toi, qui vient d'une réflexion propre? Enfin voilà, quel est le parcours? L'écriture a commencé par c'est Genji, mon frère Genji Motiri, qui a commencé, et puis il m'a demandé de l'adapter pour le réaliser. Et à partir de ça, comme on l'a autofinancé, on s'est dit qu'on allait prendre notre temps, c'est-à-dire aussi dans le processus de casting. Et comme on savait qu'on n'allait pas avoir 10 000 jours de tournage, mais qu'en même temps, on devait bien planifier les jours de tournage, on s'est aussi dit que ça allait être intéressant de vraiment montrer physiquement le temps qui passe. Parce que financièrement, ça nous permettait aussi de s'organiser plus facilement, puisque tout le monde avait son travail et ce genre de choses. Donc, on l'a vraiment tourné en plus d'un an et demi, 2 ans. Et le fait d'avoir les répétitions aussi pour les acteurs nous a permis de voir, au fait, certains passages ou certaines choses qui à l'écriture peut-être passaient mieux, mais qui au final, quand on l'entendait, passaient beaucoup moins bien. Et donc on a eu le temps d'adapter certaines choses entre comment c'était écrit et comment on l'a tourné. Et puis je pense que vu qu'on avait le temps, c'était aussi assez facile de prévoir les liens avec des choses qui se passaient de manière directement au moment où on le tournait. Et puis aussi, c'était plus facile de retourner en arrière, puisque plus on reste dans un sujet, plus c'est facile de voir combien d'autres sujets y touchent. Mm-hmm. Et puis, au final, on voulait aussi avoir un film qui peut avoir 2 ou 3 différentes lectures et pas être juste pris au premier degré. Ah ben, c'est ce dont je parlais. Il y a 2-3 différentes lectures. Ouais. Je ne veux pas être complètement scolaire, mais quelles sont les lectures justement de ce film pour ce que tu aimerais en dire, en fait? Au départ, l'idée, c'était de parler de ces femmes qui, la plupart du temps, dans les mouvements politiques noirs, sont mises à l'arrière ou... qui ne sont pas valorisés dans leur travail. C'est souvent l'homme qui est mis en avant, même quand parfois c'est... Bon, là, ici, on a été à l'extrême, mais je crois qu'à l'époque où on a commencé à parler de ce film, c'était au moment où le documentaire sur Winnie Mandela était sorti. Et moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout son histoire. Et je crois que dans ces années-là, il y a eu ce documentaire et puis aussi... The Black Panther mixtape, où il parlait de ce genre de sujet par rapport aux femmes dans les mouvements politiques, surtout noirs. Et on s'est dit que c'était une manière de mettre en lumière le fait que la plupart du temps, les femmes doivent choisir souvent entre différentes casquettes et souvent elles se sacrifient pour l'intérêt général. Et donc, il y a déjà cette première lecture. Et puis, de l'autre côté, c'était aussi pour parler, le titre, c'est Atandele, pour dire qu'il y a toujours des moments dans la vie où on doit essayer de trouver notre direction, ou en tout cas faire des choix qui sont les plus judicieux pour nous et pas forcément ceux qui plaisent aux autres.
ce qui plaît aux autres. Et donc, il y a... C'est l'une des raisons pour laquelle, à la fin, la caméra est plus sur le personnage de Kwame, parce que lui aussi, il se laisse un peu emporter sans vraiment réfléchir à ce qu'il veut faire ou ce dont il a besoin. Il est sur un script, en fait. Et souvent, dans la vie, je pense que on peut très facilement tomber dans un script et pas trop se poser de questions parce que ben, tout le monde est là et ça va. Donc, on se dit, c'est bon, on va par là. En tout cas, en voyant ce film, je me dis qu'il a un aspect très générationnel. C'est vraiment le film des afro-descendants d'aujourd'hui, des afro-descendantes, en l'occurrence surtout d'aujourd'hui. Et cette manière de capter comme ça l'air du temps, est-ce que tu en avais conscience ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Moi, je me suis juste concentrée sur nos intentions. Et ce que je voulais dire et les moyens que j'avais. Donc, ça a peut-être aussi ce feeling parce que j'ai aussi travaillé avec des gens qui vivent à Bruxelles et qui sont de ma génération et qui partagent un peu les mêmes réflexions. En fait, vos deux films ont en commun d'avoir été faits sur moyens propres. Que ce soit celui de Malka, que ce soit le tien, même si ce n'est pas, je pense, des grosses sommes, c'est quand même un investissement. Est-ce que tu as joué aussi avec le temps, comme elle vient de le dire, c'est-à-dire... Oui, complètement, parce qu'en fait, on a, en fait j'ai lu le livre de Evensler qui porte toutes ces petites nouvelles sur des femmes, des témoignages de femmes. Et donc, on a appelé Maëlle, avec qui on avait l'habitude de travailler. Qui est donc le réalisateur du film. Donc, on lui a fait cette commande, on lui a présenté le texte. J'ai appelé des amis qui ont accepté, dont une qui fait du théâtre, la plus grande dans le film. Donc j'avais pour elle vraiment pointé trois règles. Elles avaient chacune trois règles à présenter. Et puis Ted Boitou, avec qui on avait déjà travaillé, qui faisait des slams pour nous lors des événements, lui a fait la voix off. Et donc on a loué, donc Maël nous a proposé un endroit où il avait déjà tourné une publicité qui se trouve, c'est une maison en fait qui est en location pour la journée. Et donc on a commencé à 11h du matin et à 23h c'était fini. Donc tout le monde a joué, enfin on était là, paf, on a loué juste pour une journée, pas une journée de plus parce que voilà, il fallait payer les lieux. Donc tous les techniciens ont été payés également, les filles ont fait ça tout à fait bénévolement et en fait on a fait ça ensemble, c'est vraiment un travail collectif, c'était une première pour chacun d'entre nous, aucun de nous n'avait jamais tourné, ni Maël non plus d'ailleurs. Il n'avait jamais tourné de film de fiction. De fiction, de court-métrage, donc c'était une première expérience pour lui aussi, donc il était complètement partant et donc chacun a apporté sa vision de comment faire le film et comment chacune allait intervenir et cette flamme qui coupe les différentes règles, qui met une certaine mesure dans le film. Et puis c'était l'idée de qui, cette flamme? Ça c'est l'idée de Maëlle. Et donc pour vraiment scander, voilà, exactement. Et puis le bâti, enfin le lieu du tournage aussi, puisqu'il y a un peu c'est un peu un décor un peu colonial comme ça, avec quelques statues qui rappellent un peu les maisons d'anciens colons. Enfin, je suis quand même abasourdie de, bon, je pense que toi tu es fonctionnaire, oui. Tu travailles dans un bureau, et on a quand même ici à l'image un film extrêmement abouti, et travaillé. Et pour moi, c'est un petit miracle, quoi. Mais en fait, on ne s'en est pas rendu compte du tout, à vrai dire, parce que quand il était terminé, j'ai commencé à appeler les chaînes de télévision pour voir s'ils pouvaient le passer le 8 mars. Et aucune n'a voulu parce qu'elle disait que on ne parlait plus du Congo pour l'instant, c'était pas nécessaire de venir avec ce genre de film et qu'on ne le prendrait pas. Et je l'ai proposé à... Il y a une seule chaîne qui a accepté, c'est RTL, et ils l'ont passé le 8 mars à minuit. Et donc, suite à ça, je me suis dit, bon, maintenant, je vais le mettre simplement sur une plateforme. J'ai commencé à appeler certaines plateformes. Et j'ai envoyé le film et un monsieur m'a dit, écoutez, c'est absurde de mettre ce film sur une plateforme, faites-le vivre dans les festivals.
Donc, il était inscrit dans un premier festival et puis ça s'est enchaîné. Et finalement, il était sélectionné dans 45 festivals et il a eu 6 prix à l'étranger. Et donc, pour moi, c'était important, justement, cette visibilité, de le faire en anglais pour que ce soit vraiment international. D'avoir aussi cette, que toutes ces femmes soient sans maquillage, sans sobre, le plus sobre possible, le plus digne possible, que l'affiche soit pas misérabiliste, mais qu'on montre une femme forte, parce que toutes ces femmes sont d'une extrême résilience et ce qu'elles vivent est absurde et le monde entier le sait. Donc on ferme les yeux parce qu'on pour des raisons économiques et on participe tous inconsciemment parce qu'on a tous avec des appareils électroniques. Et donc l'important pour moi, c'était pas de faire un film moralisateur, mais que simplement ce soit un témoignage et que ça reste dans l'esprit des gens. Après, qu'ils s'interrogent, qu'ils décident d'être, faire des choix, d'aller vers le recyclage. Je suis allée dans des écoles présenter le film. Je l'ai présenté devant des écoles. On a eu des débats avec des jeunes étudiants de 16 à 18 ans. Et certains étaient tellement touchés que, certains m'ont dit après que, suite à ce film, ils n'ont plus jamais acheté des GSM, parce que finalement, des GSM neufs, bien sûr, mais se sont orientés vers le recyclage, les appareils recyclés. Donc, je crois que ce film a marqué les esprits partout où il est allé, et il a fait des petits partout où il est allé, dans le sens où... Moi, je me suis souvenue. Excuse-moi d'interrompre, mais entre justement le fait que tu as réalisé que dans le public, il y avait quelque part une indifférence, si par une caricature de la situation qui se faisait et qu'il fallait donc faire autre chose, et le fait de te dire je vais prendre le livre de cette dame et ça va devenir finalement le moyen pour moi de pouvoir autrement parler de la situation. Est-ce que ça a été long comme processus? Est-ce que Non, parce qu'en fait, je trouve que la culture et l'art sont vraiment les meilleurs moyens de... Tu connaissais le livre déjà? Oui, je connaissais le livre déjà. J'ai lu cette partie-là et c'est là qu'on s'est décidé à le mettre en film. Parce qu'en fait, j'avais le souvenir d'un film qui, moi, m'avait terriblement marqué dans les années 2000. C'était Darwin Nightmare. Le cauchemar de Darwin sur l'élevage de perches du Nil dans le lac Victoria et qui est vraiment un terrible désastre environnemental puisque il a dévoré toutes les espèces locales et donc c'est devenu l'unique poisson du lac Victoria. Et en voyant ce film, ça m'a tellement choqué que plus jamais j'ai mangé de la perche du Nil. Et donc là, je me suis dit, voilà l'effet qu'un film a produit sur moi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que le fait d'utiliser l'art pour faire passer un message ou mettre de la lumière sur un événement ou sur des événements difficiles du monde actuel, c'était le meilleur moyen de transmettre ce message et transmettre ce qui se passe à l'est du Congo. Ok. Et donc, vous êtes deux femmes noires, deux femmes afrodescendantes. Ici en Belgique, on va dire que c'est pas le type de modèle le plus courant. Je note que aucune de vous deux n'a tenté d'aller vers les moyens habituels de financement de films, que ce soit les commissions, que ce soit les télés, que ce soit les ateliers de production. Enfin, il y a certains outils quand même qui existent. Et chacun de vos projets, pourtant, mériterait un financement. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je pense que, venant de la photographie, je pense que j'aime bien cette idée de pouvoir travailler sur... un projet de manière assez indépendante et tout simplement parce qu'à cette époque-là, enfin, je n'ai jamais encore tourné tout en déléguant, c'est-à-dire que on filmait tout, j'ai monté, on a vraiment tout fait, il n'y avait pas vraiment d'équipe et je pense que c'était plus pour la liberté de mouvement et aussi peut-être de manière inconsciente l'idée de se dire que ce genre de sujet n'allait pas forcément trouver acheteur.
Et donc, on n'y a juste pas pensé. On s'est dit qu'on allait essayer de le faire tout seul pour ne pas avoir à forcément compromettre notre vision, mais aussi pour être plus libre dans nos mouvements. Et en fait, tu as aussi, parce que tu parles beaucoup du fait que tu aimes beaucoup le montage, mais tu es aussi directrice photo, je crois que oui, ça, oui. Compte, ça compte dans le projet. Oui, oui, mais oui, je pense que la photographie fait que je... Ouais, voilà. Ouais, voilà. Et donc, tu as fait des clips, et il y a énormément de musique dans ce film. Il y a au moins deux chanteurs, ou trois, je ne sais plus. Deux, oui. Et on est dans le milieu des boîtes de nuit souvent, etc. Donc je crois que d'une certaine manière tu as été fort en connexion avec le milieu dans lequel tu évolues habituellement. Oui, parce que j'ai commencé à faire de la vidéo avec le hasard des choses fait que j'ai eu deux colocs qui étaient chanteurs, rappeurs et tout ça, et au début quand j'ai commencé à faire de la vidéo, je ne faisais pas forcément payer, donc c'était un peu... Je recherchais des projets où on se rendait un peu service, et du coup, même en photographie, j'ai toujours été assez fascinée par la nuit, le monde de la nuit, donc c'est un milieu autour duquel je gravite assez facilement, mais là aussi, quand on fait un film où on n'a pas vraiment les moyens, on se tourne vers les gens qu'on connaît, les gens qui sont artistes et les gens qui seront prêts à nous aider. Et il s'avère que, vu le parcours que j'avais eu, c'était eux. Mmh. On parle ici du regard afro-féminin, c'est un peu le sujet qui nous réunit. Toi, justement, après t'être confrontée à ça, à la réalisation, c'est quand même ton deuxième court-métrage, hein, c'est pas la... Donc tu as déjà un parcours là-dedans. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette question du regard afro-féminin ? Je dirais que je ne me pose pas la question de manière aussi générale. J'essaie de juste rester fidèle au sujet qui me parle, mm-hmm. et essayer de trouver une manière d'en parler en ayant des intentions claires et aussi en ayant en tête d'aller au bout des choses. Donc, j'ai un peu de mal à me situer dans une généralité de regarder autour de moi et voir ce que les autres font, puisque je sais que tout le monde a un parcours différent et du coup, tout le monde a soit des avantages ou des difficultés différentes. Mm-hmm. Et du coup, c'est bien d'avoir une communauté, pouvoir partager, mais je ne me compare pas vraiment, en fait. Mais en fait, tu aurais du mal à te comparer parce qu'on est si peu. Déjà ça. Ouais. Mais malgré tout, quand on voit le sujet du film dont tu as toi-même parlé, mm-hmm. qui est le fait qu'une femme dans tous ces mouvements revendicatifs et militants, mm-hmm. a souvent la question à se poser de est-ce que elle doit passer au deuxième plan, mm-hmm. et c'est un peu la fin du film, c'est-à-dire l'amoureux arrive et visiblement elle lui rouvre pas la porte. Donc, je pense que dans ton intention de tournage, la manière dont tu as abordé ces histoires, ces personnages, ces déambulations de femmes, et déjà la question du texte qui revenait régulièrement, mmh. un peu en se surfilant à travers les scènes, il y a toute une il y a tout un projet, il y a toute une intention qui est... Oui, la symbolique des voix, c'était de passer de la voix de Kwame à un moment, c'est les deux voix où on pense à un moment donné que ils ont trouvé un compromis. Et ça termine avec juste sa voix, puisque du coup, elle prend sa propre direction. Mais du coup, c'était quoi encore la question ? Mais c'est de dire que... Parce que le female gaze, qui est souvent la chose qui identifie ces regards féminins ou afro-féminins. Comment toi, qui es directrice photo, mm-hmm. Tu as regardé tes personnages et regardé cette histoire de femme qui, quelque part, prend son autonomie, prend quand même le pouvoir sur sa vie, quoi. Je pense qu'avec le recul, je trouve que c'est très direct. Et peut-être que aujourd'hui, je le ferai un tout petit peu différemment. Peut-être que je serai un peu plus métaphorique, mais je pense que j'avais envie d'une... comme je dis, ça a été aussi beaucoup influencé par... le documentaire que j'ai vu et tout ça, et je trouvais ça
Quel documentaire ? De Winnie Mandela. Ok, sur Winnie Mandela, tout à fait. Au fait, je me suis rendu compte que c'est assez difficile pour une femme noire de pouvoir montrer autant toutes ces différentes facettes. D'être en même temps, de pouvoir être en colère, de pouvoir être triste, de pouvoir être amoureuse, de pouvoir être un peu... pas bête, mais se laisser un peu influencer par l'amour d'une certaine manière. Et je voulais qu'il n'y ait pas de compromis par rapport à ça, qu'on puisse voir différents visages de cette femme sans qu'un des visages puisse être utilisé contre elle. Mmh. Ouais. C'est ça. Mon regard. Ok. Et bon, maintenant, je vais plutôt aller dans la question du fait que tu as été, et que tu es toujours d'ailleurs, réalisatrice de clips. Et que voilà, c'est aussi la même chose dans les clips. Comment on filme les noirs, enfin les noirs ou les femmes dans les clips ? Est-ce que tu as un point de vue là-dessus ? Et comment toi, tu te définis là-dessus ? J'ai beaucoup de chance ces dernières années. J'ai pu travailler beaucoup avec des artistes féminines ou des collectifs. Donc ça me permet de pouvoir renforcer l'avis que j'ai sur le sujet tout en participant à avoir plus d'images au fait de femmes noires et dans différentes situations. Et donc je pense que ouais, je ne saurais pas comment définir autrement parce que ces projets viennent souvent à moi. Et donc, c'est de la moi, chance. Je me rappelle d'un clip, j'ai pas vu beaucoup de clips de toi, mais il me semble que j'en ai vu un, avec une femme quasiment en équilibre, je crois, et qui avait une manière comme ça de traverser, bon, j'ai pas retenu le nom de la chanteuse, etc., mais j'ai trouvé ça vraiment très inventif, qui avait vraiment des idées, qui avait vraiment, enfin, c'était pas... voilà, on filme parce qu'on a un sujet, qu'on développe, etc. Je voudrais pas paraître comme quelqu'un qui a... tourner tellement de trucs qu'elle a oublié, mais je vois. Oui. Mais voilà, bon, enfin bon, j'aurais dû revoir ce clip. Mais bon, avant de voir ce film-ci, c'était le travail de toi que j'avais vu, plus Miel, ouais, dans lequel également Nganji tournait. Mon copain préféré. Et j'avais vraiment aimé, j'avais vraiment apprécié. Bon, maintenant, effectivement, c'est assez particulier, cette collaboration de frères et de sœurs. Ouais. Tu as travaillé sur le film de Nganji, il est l'acteur de tes films, d'où vient un peu cette osmose, d'où vient la facilité, il est là. Il y a d'autres acteurs à Bruxelles, oui. Et dans la salle, j'imagine. Mais parce qu'en fait, déjà, le premier court-métrage, c'est lui qui a écrit le texte. Mm-hmm. Et au départ, il me l'a envoyé juste pour entendre, parce qu'il avait été mis en... Il y avait de la musique maintenant. Enfin, à ce moment-là, donc du coup, il voulait avoir mon avis avec la musique. Et moi, quand il m'a appelé, je lui ai dit directement que je voulais en faire, je voulais le mettre en image, et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. Et avant ça, je pense qu'on a toujours pris l'habitude d'échanger beaucoup, déjà avant que autant moi je fasse de la photographie et que lui se lance dans la photographie. Donc ça s'est fait naturellement que du coup, à partir du moment où on s'intéressait au même métier entre guillemets, que déjà, on s'envoyait, que ce soit des vidéos que je fais ou des photos qu'il fait, on se demande toujours notre avis. Donc, ça coulait de source. Ouais. Donc, je me retourne vers toi. Je voulais effectivement revenir sur cette incroyable synergie de femmes qui se passe dans l'image de ton film. Tu me dis que très souvent, c'est des gens qui n'ont pas été des professionnels à la base, qui sont lancés dedans. Donc, comment ça s'est fait ? Comment vous avez répété ? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement improvisé ? En fait, c'était très magique parce qu'il y a eu vraiment une belle alchimie entre nous directement. Donc, j'ai juste choisi le texte pour Angela. Ensuite, je lui ai envoyé, elle m'a dit « Ok, parce que je travaille avec elle, je la connais, elle a un caractère très fort et pour moi, ça lui correspondait parfaitement. » Ensuite, Marie-Charlotte, même chose, j'avais vu une partie pour elle. Mais les trois autres filles, c'est Tête Boitou, qui travaille souvent avec nous aussi, qui fait du slam, qui a parlé, qui nous a proposé ses trois amies qu'il fréquentait, qui sont slameuses à Anvers. Et donc, elles sont venues, je leur ai envoyé le texte. On s'est retrouvées autour d'une table. Chacune a lu sa partie. Et
c'est parti directement, on s'est dit c'est ok, on se retrouve. Quoi, un jour de répétition? Un jour, oui. Ah bon. Elles ont lu, chacune a lu son texte. Chacune était touchée par le sujet. On se l'a dit, c'est autre chose qu'une lecture. Hein. Je veux dire, il y a des interactions. Oui, bien sûr. Mais d'abord, elles ont lu et puis elles sont parties chacune chez elles. Une semaine après, on se retrouvait et c'est le jour même qu'on a dans l'appartement choisi les pièces qu'on allait utiliser. Et alors là, on a commencé à mettre des choses en place, essayer l'une l'autre, qui commence, etc. Et puis finalement, ben voilà, ça s'est fait très naturellement et très rapidement. Et tout le monde était dedans très vite et tout le monde, on était très, tout le monde l'a pris vraiment à cœur, ce travail. Donc, c'était au-delà de ce qu'on imaginait, une première expérience réussie pour chacun. C'était une co-réalisation. Oui, parce que tout le monde, oui, c'est vraiment un travail collectif pour moi. Oui, parce absolument. Que, bon, c'est vrai que certaines personnes me disent, bon, tu as mis ce film dans le listing des 4 films pour regard afro-féminin, mais de tout ce que j'entendais, j'entendais vraiment une réalisation collective. Maintenant, oui, c'est devenu le film de la seule personne, entre guillemets, professionnelle, on va dire. Oui, parce que on a un accord, on a un contrat et que pour lui, c'était une première expérience cinématographique et que voilà, il a demandé pour m'être réalisateur, on lui a dit oui. Et donc maintenant, voilà, on est liés par ce contrat et c'est comme ça. Oui, et voilà. Alors qu'à la base, c'est quand même une co-réalisation. Donc, je voudrais juste dire, par rapport aux personnes qui, effectivement, voudraient faire des films, c'est toujours intéressant d'aller voir les sociétés des droits d'auteur et de s'informer, de savoir quels documents signer, etc. Moi-même, bon, pour parler de moi aussi, puisque je fais partie du trio ici, dans tout le début de ma carrière, ça a été très, très problématique de voir à quel point on essayait de me manipuler en comptant sur le fait que, bon, ben, je démarrais dans le métier et qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas. Et de ça, tout de suite, les gens profitent. Pour vous citer un exemple, le tout premier film que j'ai fait, Revue en vrac, qui date de 1991, qui était le projet de faire, à ce moment-là, c'était un peu le début de la fin de Mobutu, il avait renoncé au Parti Unique. Donc moi, je voulais faire un peu le portrait d'une nouvelle presse qui se libérait du carcan du Parti Unique, de la parole unique, etc. Donc bon, bah là, c'était un film très prétentieux à l'époque, j'étais pas très loin aussi moi-même. Mais bon, les premiers producteurs que je suis allée voir m'ont dit « Attends, le sujet est très intéressant, mais on va le tourner à ta place ». Donc toi, tu vas être peut-être là, sur le tournage, un peu en décor, pour décorer le plateau, mais tu donnes aucun ordre à aucun technicien, ni le caméraman, ni l'ingénieur du son, ni personne. Mais on est gentil, après tu mettras ton nom sur le film. Et c'est vrai que quand tu démarres dans le métier, que tu vois un producteur pour la première fois, que le producteur te dit oui, ok, on va produire ton film, donc t'es contente, et que par derrière, tu entends ça, tu te dis, est-ce que ça se passe comme ça ou c'est moi qui n'ai pas au courant, quoi. Et c'est vrai que j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose, en tout cas à ce moment-là, mais j'ai dit au producteur, je préfère ne pas le faire. Si je suis réalisatrice, je dirigerai l'équipe. A priori, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, on peut vraiment jouer sur votre ignorance sur vous, etc. Et tu te retrouves, soi-disant, avec un film où tu as ton nom dessus, mais en fait, la planète entière sait que c'est pas toi qui l'as fait. Hein. Je veux dire, c'est pas des choses qui sont secrètes. Et voilà, les premiers pas dans ce métier, il faut, d'autant plus qu'on est femme et noire, il faut faire hyper attention. Parce que franchement, personne ne vous fait de cadeau. En fait. Personne. Et tout le long de ma carrière, je continue de le voir. Bon, je suis un peu la doyenne de nous trois. Et je suis quand même frappée de l'extrême violence à l'encontre des femmes qui ont des projets de films, qui se lèvent un beau matin en disant « je veux faire un film ». Tout le parcours de combattante que c'est et surtout le fait qu'il y a un peu
des terrains minés partout où tu passes, où tu sais pas que, et ça t'explose à la figure. D'où l'importance, je pense, de l'échange, de se renseigner les unes chez les autres, de voilà. Parce que... Mais je tiens quand même à dire que j'ai pas la prétention de dire que j'aurais pu le réaliser moi-même. Donc je ne suis pas réalisatrice. Non, mais je pense mais que c'est vraiment une co-réalisation. Un travail c'est une collectif. Co-réalisation collective. Et voilà, absolument. Et que toutes ces femmes On a tous participé à ce film, on a tous donné des idées, on a tous, on s'est tous investis corps et âme pour que ce soit une réussite. Et c'est une réussite. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même une partie où on peut se tourner vers la salle. Et demander les impressions sur les 4 films. C'est vrai qu'ils sont extrêmement différents. Et c'est ce qui est chouette, hein, le dernier film. C'est un film un peu théâtre populaire, théâtre de chez nous. D'ailleurs, tu regardes des actrices là-dedans qui sont des actrices ultra connues, comme Maggie Kalumba, comme Starlette Matata, qui était toujours en train de raconter des tas de commérages croustillants. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que pour moi qui vais au Congo, qui est sans arrêt dans ces situations de deuil, que je crois que nous avons tous connu, où il y a les fameuses chaises en plastique, où il y a le fameux chapiteau, et où il y a les gens qui arrivent pour se mettre sur les chaises, et où il y a les cotisations, etc. Je trouvais que c'était assez bien rendu, et voilà. Moi, je trouve que c'était un de mes films préférés. Je ne le connaissais pas, mais il m'a beaucoup fait rire, et je trouve déjà même la réalisation et comment tout est amené, j'ai beaucoup aimé. Merci. Et toi ? Oui. Et le premier film aussi, qui est, je crois, un film certainement à petit moyen, hein, avec 2 personnages et 1 décor ou 2 maximum. Aussi, ça peut dire avec, malgré cette économie de moyens, des choses extrêmement puissantes, comme la relation, effectivement, entre une femme qui est plongée dans sa religion et une jeune femme qui veut s'émanciper par le hip-hop, parce qu'elle connaît de la vie, etc. Voilà. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions ou il y a des envies de faire rebondir le débat dans un sens ou un autre. Bonjour Aline. Bravo, merci pour la programmation. Je réponds. Merci. J'ai pas suffisamment profité de la programmation, mais le peu que j'en ai vu était très bien, y compris aujourd'hui. J'ai aimé, j'étais surprise de découvrir, j'avais pas regardé les films qui allaient être programmés. Et par exemple, de voir Babettida Sadio à ses tout débuts, j'imagine. Etc. Oui, vraiment, elle est hyper jeune là-dedans. Ouais. Et merci à toutes, c'était vraiment. J'ai rien à dire. Enfin, si, mais merci. Je t'en prie. De rien. Moi, je voulais juste te faire remarquer que dans le film, j'ai oublié comment il s'appelle. Girl Fact. Voilà, Girl Fact. Tout le monde a été payé, donc les techniciens ont été payés, mais pas les comédiennes. C'est à peu près toujours comme ça. Je trouve ça finalement dommage. Ok, ça vous permettait de réaliser le film, mais c'est toujours les techniciens, en général, sont des hommes qui sont payés et les acteurs pas payés. Voilà. Il y avait des techniciennes femmes aussi, et puis on était limité par le budget, c'est un budget personnel, privé, donc on ne pouvait pas aller. Et c'est pour ça que j'ai choisi des amies, et elles étaient complètement partantes, donc ça leur donnait aussi une visibilité, et on était tous d'accord pour cette démarche. Ce n'est pas Mais c'est vrai que si y a un type de film qui doit exister, qui doit exister à tout prix. Et à partir du moment où, comme je viens de l'expliquer, quand on va vers les producteurs, on a parfois certaines déconvenues. Et je vous raconte pas les pires que j'ai vécues, mais il y a de quoi faire un livre. Hein. Dans l'autre sens, on peut comprendre qu'avec des petits moyens, on arrive quand même à faire que le projet qu'il existe, sans compter qu'elle n'imaginait pas une seconde que ça ait l'impact que ça a eu. Et puis surtout sans technicien. Chaque fois qu'on a pu payer par la suite tous les gens avec qui on a travaillé par la suite, on l'a fait. Donc, c'est pas toujours possible parce que on a toujours voulu être indépendant et utiliser des moyens propres pour ne pas avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Donc, il faut faire des choix et malheureusement être d'accord avec tout le monde.
Oui, oui, mais... de budget et finalement il y a toujours une partie de gens qui doivent se sacrifier et faire gratuitement. Enfin, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Mais c'est vrai que moi personnellement j'ai eu la moitié de mes films financés normalement, l'autre moitié situation comme ça de débrouillardise. Et c'est pas facile, bien sûr, parce que après les gens ils disent oui, mais on ne sait pas où tu l'as vendu, on ne sait pas quel est le profit, on ne sait pas, peut-être que tu aurais pu. Donc c'est pas chouette parce que, mais je pense pas que ça a été le cas pour elle, mais certainement moi j'en ai eu au moins 2-3 où effectivement maintenant je préfère être payée. Mais quand tu préfères être payée et que tu fais une recherche de financement, tu te retrouves avec 5 ans, 6 ans d'attente et le temps passe, hein, donc voilà. Il y a des fois où tu te dis ok, je fais un crowdfunding et je le fais à tout prix, parce que vous avez fait un crowdfunding aussi, hein. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est que parfois le compromis justement de si on n'a pas le budget pour la technique, parfois on doit essayer de sauver certains défauts techniques après. Et donc, je crois que parfois, les gens font le choix d'assurer la technique pour au moins essayer d'être sûr d'avoir un produit fini ou en tout cas qui peut être utilisé ou vu. Regardable. Ouais, oui, voilà. Sinon, on se retrouve à un peu chipoter après. Nous, on y a été un peu en commando avec sans aucun ingénieur son ou quoi que ce soit. Je filmais tout, mais... Le son, j'ai dû y retravailler en post-production, du coup, et faire un crowdfunding. Finalement. Voilà, donc c'est toujours compliqué de faire le sacrifice de la technique, puisque du coup, même si les comédiens sont très bons, peut-être on les entend pas, on les voit pas bien, ou enfin voilà. Alors, oui, voilà. Moi, en fait, c'est juste une réflexion que je voudrais faire, c'est dire merci à ces jeunes réalisatrices. Parce que j'aime beaucoup le cinéma et j'y vais quand je peux, pas assez souvent. Et ça fait plaisir de enfin pouvoir voir plus souvent des films donc faits, réalisés par des afrodescendantes, non seulement donc certains par des hommes, mais spécialement par des femmes. Ça fait vraiment plaisir parce que tous ces films, en fait, sont des sujets qui, dans leur particularité, sont quand même universelles. Parce que le premier film avec cette confrontation mère-fille, c'est quelque chose d'universel qu'on voit dans toutes les sociétés, mais que moi, j'ai toujours vécu en Belgique. Et bon, j'ai toujours vu ces films-là avec, je dois le dire, avec des personnages blancs, etc. Et j'ai rien contre, hein, c'est pas ça. Il en faut aussi, mais c'est quand même très agréable que l'on puisse voir ce genre de film avec des personnages afrodescendants, parce que l'histoire fait que nous sommes beaucoup d'afrodescendants en Europe. Nous sommes partout, et ça fait plaisir de pouvoir voir tous ces sujets qui sont joués, qui sont réalisés, qui sont produits par des personnes de couleur, comme on dit, même si nous sommes de toutes les couleurs. Il faut encourager la jeunesse. Là, ce sont des courts-métrages. Donc moi, ce que j'espère, c'est que toutes ces personnes ne vont pas se décourager, vont continuer, que ça devienne des longs-métrages qui soient vraiment partout. Donc je vous dis merci pour ce plaisir que j'ai eu ce soir et que j'ai eu à d'autres moments. Et vraiment... Il faut en former plus et il faut vous battre, continuer à vous battre pour que vraiment nous ayons ces longs métrages au cinéma. Merci beaucoup. Dans la même lignée, je voulais juste partager que je suis venue tout à l'heure, j'ai failli ne pas venir et tout ça, puis je me suis dit, mais non, il y a la programmation, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas assez profité des films qui ont été joués. Et je disais à mon fils, aller voir ce film, c'est pas juste aller au cinéma, c'est aller soutenir Sorana Mounsia et Monique qui ont fait cette programmation. Enfin, Monique qui a fait cette programmation. C'est aller soutenir ceux qui font ces films malgré le manque de moyens, etc. Et parfois, Monique, tu en parles souvent, à quel point tu dois vraiment porter les choses pour arriver à mener ça jusqu'au bout. C'est aller
retrouver ceux qui aiment ce type de film, c'est aller dire à la Cinémathèque, on est là, on a besoin de ce genre de film. Donc c'était vraiment un acte avec plusieurs degrés de motivation derrière. Mais voilà, je voulais encore souligner, on est là, on a soif de ces films, programmez-les. Bonsoir et merci encore pour cette programmation. Lors de l'échange, vous avez souligné à un moment donné qu'il n'y avait pas assez de réalisatrices femmes noires. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement susciter plus de motivation pour continuer à raconter toutes ces histoires assez différentes et qui, au final, comme je ne sais plus qui l'a dit, mais qui sont très universelles et qui sont surtout nécessaires pour les générations futures. Donc, quelles seraient les motivations? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut créer des cercles de femmes? Est-ce que il faut créer des stages? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour susciter plus d'engouement, plus de motivation? Ben, il y a quelqu'un dans la salle à qui je vais donner la parole pour faire une réponse. Elle s'appelle Diane Taimpera. Et elle est une des scénaristes qui monte dans le paysage audiovisuel belge. Ça fait déjà quelques années qu'elle est l'émule de... Comment elle s'appelle, la dame de Grey Anatomy? J'ai oublié son nom. Shonda Rhimes. Je crois qu'il faut commencer déjà par ça, c'est-à-dire apprendre à écrire des histoires. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que déjà, il faudrait... encourager les jeunes filles à aller dans les écoles de cinéma. Je pense qu'il est important de prendre la place, prendre une place qui est la nôtre, et commencer par ça. Encourager aussi dans les familles, parce que c'est pas toujours facile de faire une carrière artistique quand on est fille ou fils d'immigrés. Je pense que déjà, il faut commencer à l'intérieur, chez nous, et puis au final, se professionnaliser, les écoles, les stages... Mais vraiment pousser à l'intérieur de nos communautés le fait qu'être artiste, c'est bien, c'est ouvrir la voie, c'est raconter nos histoires et que c'est important. Est-ce que tu pourrais déjà justement faire un peu un résumé de ton propre parcours? Bah oui, alors, hein. On est si alors peu. Alors moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai toujours aimé écrire et écrire des histoires. Et puis j'ai commencé chez moi. Puis voilà, j'ai fait des stages, je me suis poussée un peu toute seule. Mais depuis, ma famille est aussi derrière moi. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut dépasser les barrières du fait qu'être une artiste en Belgique, c'est possible. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile, il y a beaucoup de limitations. Mais voilà, je pense qu'encore une fois, il faut encourager entre nous. Il faut que les communautés se poussent et s'entraident. Déjà. Moi, je pense pas que c'est plus une question de motivation ou qu'on n'est pas assez. Je pense que le problème arrive à partir du moment où on veut passer par les mêmes chemins que tout le monde, parce que ces histoires-là n'intéressent pas grand monde, ou ces histoires-là racontées par les personnes qu'elles concernent n'intéressent pas forcément les gens qui décident. Donc, c'est plus au niveau structurel qu'il y a un problème. Mais je ne pense pas qu'il y a moins ou plus d'artistes aujourd'hui qui veulent faire du cinéma ou qui veulent s'exprimer. C'est plus une question structurelle, je pense. Et ça, c'est comme tout, ça vient du même problème. Racisme aussi. Oui, de visibilité. Plus on verra ce genre de film, plus les gens auront des vocations pour s'identifieront et auront la vocation aussi de se lancer dans l'entreprise, de faire un film. Donc c'est comme elle dit, c'est à tous les niveaux. Moi, ce que je trouve quand même intéressant, Diane n'en a pas parlé, mais qu'il y ait des personnages de scénaristes comme Shonda Rhimes, elle a quand même changé la donne. Je veux dire, il y a eu un avant, il y a eu un après. Elle est quand même venue dans le territoire que nous connaissons nous-mêmes, c'est-à-dire que quand il y a un rôle de personnage noir, c'est toujours le mandaï, c'est toujours la prostituée, c'est toujours le clandestin, l'immigré. Enfin, je finis pas la liste. Et
des personnes peuvent arriver à intégrer comme ça le système en ne faisant pas des films pour public noir absolument, mais en y mettant des personnages noirs ou afro-descendants tellement forts que quelque part, ensuite, l'ADN est fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de séries. Moi, il y a des fois où je regarde même des films du Moyen-Âge et je vois plein de noirs où je me dis, bon, là, ils ont un peu poussé fort. Donc, c'est dire quand même que on ne perd rien à essayer, quoi. Parce que ça dépend aussi comment, de quelle façon, chacun a un parcours, bien entendu. Moi, je dois dire que je fais partie, en fait, du comité belge de la SACD. On discutait ensemble parce que certains étaient revenus de festivals. Et puis, j'ai entendu, ah oui, mais il y a la petite Diane Taimpera qui a eu un prix. Cette fille, c'est incroyable. Donc voilà, moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis là, je savais même pas qu'elle avait eu un prix. Je l'ai appris automatiquement. C'est aussi ça, c'est aussi une manière de dire que... bon, c'est cloisonné de partout, mais il y a toujours une façon de décloisonner à un moment ou à un autre. Moi, cette programmation à la Cinémathèque, ça fait 10 ans que je la veux. Bon, vous me direz, je suis patiente, mais j'ai attendu le moment où ça pouvait être possible. Je voulais le faire au moment des 50 ans de l'indépendance du Congo. Le projet a fait rire tout le monde. Je l'ai amené au centre culturel de Saint-Gilles, qui m'ont dit, mais madame, vous avez beaucoup d'illusions si vous croyez qu'on va montrer des films congolais. Hein? Enfin bref, j'ai vraiment tout entendu et tout eu dans la gueule, quoi. Ben, patiemment, j'ai attendu mon heure. Et je pense que si on est plus comme ça à s'échanger, à partager, déjà à distribuer ses projets, ses films, c'était très, très valorisant pour moi. Par exemple, pour le film Matongué, un quartier africain au cœur de l'Afrique, un ami m'a dit qu'il était derrière un groupe de jeunes étudiants belgo-belges d'école de cinéma et qui disait « Mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu ce film jusqu'à présent ? Apparemment, il date de 2000, mais il est génial. Pourquoi on ne le voit pas ?» Voilà, c'est plein de choses comme ça, si on tient bon et si effectivement on s'informe aussi, on se pousse l'un l'autre, on dit « Tiens, toi, tu es prêt pour faire un long métrage, ou toi tu es prêt pour faire une série, ou toi tu es prêt pour... » Voilà, parce qu'on ne s'autorise pas aussi nous-mêmes, hein, parfois. Je dois avouer que j'étais bloquée, parce que quand j'ai refusé le film d'être produit par le monsieur qui m'a dit que j'avais rien à dire sur mon propre tournage, j'étais hyper découragée. Je me disais, je ne fais plus de film, parce qu'il n'est pas question que j'accepte, quoi. Mais pour moi, c'était fini, je n'avais plus rien à faire. Et c'est le monsieur qui normalement aurait dû être mon caméraman qui m'a dit, mais Monique, t'achètes une A8, tu fais l'image, hein? Why not? Je dis quoi, why not? Je ne sais pas faire l'image. Je t'apprends. Hein, pendant une journée, je te dis. Voilà, le mec, il est venu, il a bougé. Et tout à coup, je me suis dit, au fait, pourquoi pas? Et donc, je l'ai fait moi-même. Enfin, l'image est dégueulasse, hein? le film est quand même là. Mais je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu ce mec. Que je remercie, il est décédé aujourd'hui, et qui m'a dit, écoute, si t'as pas d'argent, il y a toujours moyen. Vous voyez, c'est ça qui fait que... Maintenant, j'aimerais aussi revenir à cette histoire de regard afro-féminin. Quand je vois la démarche de Mualucha, c'est quand même aussi une démarche de femme. Hein. C'est-à-dire qu'elle a même pas exigé d'être réalisatrice. Hein. Je veux dire, elle tenait à ce que le film soit fait. Et c'est un peu ce qui nous porte souvent, de nous dire, OK, il y a plein d'impossibilités, mais mettons de l'huile sur les rouages pour que ce film existe. Parce que ce qui frappe dans ce film, c'est que de tous les films que j'ai vus sur le viol, et pourtant, c'est presque devenu un genre, hein, le film sur les viols des femmes au Congo, au point que personnellement, je dis moi que je n'en ferai pas. Mais quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ça, c'est le film qui devait être fait. Parce qu'il n'y a à aucun moment un irrespect des femmes, de leur corps et de leur souffrance, et pourtant il n'y a rien qui est gommé. Donc il y a une sorte comme ça de formule magique qui a été trouvée, et comme par hasard, qui a été trouvée par quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le milieu du cinéma. Donc
vraiment, risquons, allons-y. Et dans plusieurs têtes, on trouve des solutions. En tout cas, moi, Lucha, elle a trouvé la solution du film à faire sur le viol des femmes, qui n'est pas un film d'agression. Quoi. Et ça, il faut dire que j'en ai vu beaucoup depuis 20 ans. C'est la seule fois. C'est la seule fois. Je pense que la violence n'est pas nécessaire à montrer. Mais suffisant pour que... Et souvent, ces films-là sont faits par des hommes quand on le voit. Bah oui, c'est tout à fait clair. Voilà, je ne sais pas si voilà, il y a encore quelqu'un qui aurait... Ben, toi, par exemple, qui applaudit. Voilà. Donc, bah, malheureusement, voilà, je pense que c'est l'avant-dernier jour de l'activité de Act of Bruising. Il va encore y avoir le 31 juillet la même programmation, mais sans débat. Donc, si vous pouvez publiciser autour de vous, qu'il y a encore moyen de voir ces quatre films. Je suis hyper contente que beaucoup de gens, que j'ai ce retour sur le dernier film, qui est le film de Clarisse. Parce que c'est vrai que je me disais en le programmant, ouais, on va me dire que franchement, t'es pas très regardante et tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un film que j'adore et puis j'aime bien cet aspect théâtre de chez nous qui en même temps est comique et très profond, quoi. C'est pas toujours évident de trouver ça dans les films d'auteur. Donc c'était bien d'avoir ce mix de ces quatre types de films. Et la réalisation. Hein? Et la réalisation aussi. Et la réalisation. Et il faut dire que Clarisse, je veux dire, je pense que parmi, au Congo même, c'est la réalisatrice, c'est celle qu'on connaît. Elle a beaucoup donné, elle a beaucoup souffert. Quand je l'ai rencontrée, elle avait 22 ans. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Elle n'a pas arrêté. Et moi, ce que je vois dans ce métier, c'est qu'il y a plein de gens qui arrêtent et qui sont ici en Europe où il y a quand même quelques petits conforts. Mais elle n'a pas arrêté au Congo. Donc voilà, c'est aussi une des raisons où je dis c'est quelqu'un à suivre et quand on peut on lui donner un coup de main, ça vaut la peine. De toute façon, elle a travaillé avec Nganji comme assistante sur son film Joua et elle lui a donné d'excellents conseils d'après ce que j'ai compris. Voilà, merci en tout cas d'être venu et ben, j'espère à une prochaine fois, on ne sait jamais.